Golf Mag vous est présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Le Portage. À Golf Mag cette semaine, je vous amène là où tout a commencé pour moi, ou enfin presque. Petit secret comme ça, j'ai appris mon golf par moi-même, enfant, dans le parc près de la maison. Mais pour ce qui est de mon développement de golfeur, c'est ici, au club de golf Le Portage, à l'Assomption, que ça s'est passé dans les années 90. C'est un parcours, vous allez le découvrir au cours des 30 prochaines minutes, qui a subi une belle cure de rajeunissement avec un investissement de 750 000 $. Aussi à l'émission, j'aurai la chance de découvrir le trou de la semaine avec le professionnel Billy Hull. Pour ce qui est des conseils de golf, Jérôme Blais sera de retour cette semaine avec des aides à l'entraînement. Et moi, je vous parlerai à la chronique équipement des bâtons que j'utilise, les bois de départ Nike. Bonne émission! Le Portage est né d'un dessin de Howard Watson. Ce parcours mi-centenaire aux allées bordées de feuillus matures vous offre un décor extraordinaire à chaque saison et une qualité exceptionnelle de jeu. Quel est le défi qui est le plus grand pour toi pour faire que le club de golf Le Portage soit beau année après année? En fait, depuis les 15, ça fait ma 16e année, moi je suis ici. Depuis les 10 premières années, on s'est occupé de travailler le squelette du terrain d'eau, donc tout le système d'irrigation, le système de drainage, pour pouvoir justement être capable d'être en contrôle de Dame Nature qui est de plus en plus difficile avec nous pour les surintendants de golf au Québec. Quelles sont les dernières modifications qui ont été apportées pour rendre l'expérience golf encore plus agréable pour les visiteurs et les membres? En fait, on a retravaillé certains terres de départ. On a replané des terres de départ. On a refait certaines trappes. On a des projets aussi dans le futur de tout reconstruire, toutes les trappes de verre pour les améliorer, améliorer le drainage aussi. Donc, c'est les projets qui nous attendent dans les prochaines années au club de golf. Danny, merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Et puis, il y en a un qui adore jouer des beaux parcours comme ici. C'est notre pro à Golf Mag, Jérôme Blais. D'ailleurs, voici ses conseils. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Aujourd'hui, je vous propose quelques outils pour vous entraîner à la maison. On débute avec les tiges d'alignement. Ça se vend en paquet de deux. Ce qui va arriver, c'est que vous allez utiliser la première quelques semaines et là, vous allez l'oublier au champ de pratique. La deuxième va vous servir de rechange et là, vous ne l'oublierez pas parce que vous allez vous souvenir que c'est bien plate de l'oublier. On utilise les tiges d'alignement qu'on met au sol pour s'assurer que les pieds, les genoux, les hanches et les épaules sont bien alignés. Donc, ça sert de guide visuel pour s'entraîner. J'ai ici par la suite un petit tapis qu'on peut utiliser à l'intérieur de la maison ou dans la cour arrière pour exécuter des coups. Donc, avec le tapis, on ne magane pas trop le gazon. J'ai ma petite cible que je peux varier la distance qui me permet d'avoir une bonne cible pour pratiquer la précision de mes coups. Et en terminant, le quatrième outil, un incontournable, le tapis pour exécuter des coups roulés dans le salon. Donc, le dimanche, on installe le tapis en face de la télé et on exécute des coups roulés pour travailler notre geste tout en écoutant le golf. On peut aussi utiliser un filet qu'on installe dans la cour arrière ou dans le garage pour exécuter des élans complets. Avec tous ces outils d'entraînement mis à la disposition des golfeurs, tout est réuni pour s'améliorer au golf à tous les jours. Sur ce, bon golf et bonne pratique! Oh! Ça a passé proche. Cette semaine, ben notre pro de l'émission, si vous voulez, c'est Billy Hull. Certains le connaissent bien. Moi, je vais vous le faire découvrir parce que c'est assurément l'un des beaux talents sur le circuit québécois des professionnels depuis quelques années. Billy, si tu me parlais un peu de ton cheminement dans le golf, tu as commencé comment? Comment t'es venu à jouer au golf? Bien, c'est quasiment par erreur. J'avais besoin de quoi faire quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup au hockey quand j'avais 12-13 ans. Puis, il fallait que j'occupe mes étés. J'ai grandi au club de Joliette. Et par la suite, ben, tu es allé faire un petit séjour aux États-Unis pour parfaire ton jeu et bien sûr les études. Exact. J'ai une bourse au Texas, puis j'en ai une autre en Ohio. Donc j'ai passé 4 ans là, dans les universités au sud d'ici. Et Billy, j'aimerais savoir aussi l'expérience golf. Évidemment, les membres en profitent. Les gens de l'extérieur peuvent venir jouer. Ça va de soi au Portage. Quel genre d'expérience on vient chercher ici? Ah oui, en fait,
On a une expérience ici là, qui est orientée vers le golfeur avec les nouvelles exigences qui viennent de l'industrie. On est conscient que les jeunes jouent un petit peu moins au golf. Donc, nous, notre objectif ici, c'est d'avoir une atmosphère familiale. On a une nouvelle politique pour plus permissive, dont les dimanches après-midi, par exemple. On a les dimanches après-midi en famille, où est-ce qu'une famille de 5 peut venir pour un prix très abordable, initier sa femme et ses enfants. T'sais. On s'oriente, nous, pour le développement, pour que l'industrie du golf puisse grandir autour de nous, de la région ici. Et puis, je remarque également, on a fait du beau travail sur le verre de pratique ici, un peu partout, les aménagements, même le pavillon, je le replace, mais j'ai l'impression qu'il a été aussi un peu modifié. Là. Ah oui, avec la nouvelle direction qu'on a eue en place il y a 3 ans, on a investi beaucoup sur le terrain au niveau de l'équipement, au niveau du clubhouse, de la boutique. On offre une panoplie de produits à la boutique. On présente 5 compagnies de bâtons de golf. Ce n'est pas donné à toutes les boutiques de pouvoir faire ça. Donc, on cherche, nous, à faire la promotion du golf en général et initier les non-golfeurs. Et comme trou de la semaine, comme trou vedette cette semaine, tu nous proposes quoi à Golf Mag? On va proposer le 4e trou. Je crois que tu le connais, d'ailleurs. Je pense que c'est un bon test de golf. Merci, oui. Billy. Plaisir. Restez là. Golf Mag revient après cette pause. Notre trou signature cette semaine est le 4e. Cette normale 4 vous donnera du fil à retordre, car elle est la plus difficile du parcours. Elle s'allonge sur 446 verges des départs les plus éloignés. Tout un défi. Billy, j'ai une petite confession à te faire. Là. Je suis vraiment, vraiment content de renouer avec cette très belle normale 4 ici au Club de golf Le Portage. Si mon souvenir est bon, c'est le trou handicap numéro 1. En effet, c'est le trou le plus difficile du terrain et pour plusieurs raisons. On a un turf qui est très étroit avec un bunker au bout là, où c'est la fosse de sable là, qui est à 275 verges. Donc, ça rétrécit beaucoup à l'atterrissage pour la drive. Donc, on est obligé de prendre une ligne un peu qui est coudée sur la droite. Et ce qui est extraordinaire avec les années, c'est que le terrain, dans son ensemble, a pris beaucoup en maturité. Et il me semble que c'est devenu un corridor pas mal plus intimidant que c'était. En effet. Ici, c'est préférable toujours de se tasser un peu sur le côté gauche du tertre pour se redonner un angle qui est sur le côté droit. On a une fosse de sable qui est environ à 275 verges d'ici. Donc, enjeu potentiellement pour nous. Exact. Donc, le côté droit, on a beaucoup plus de place que ça en a l'air. Et disons qu'on frappe l'allée, là, qu'on frappe un bon coup de départ. Le travail ici est loin d'être terminé, là. Ah non, c'est pas pour rien que ce trou-ci a été classé parmi les plus difficiles au Québec depuis année après année. On a un verre qui est environ 40 verges de profondeur, mais sur deux sections. Donc, une qui est beaucoup plus basse à l'arrivée, et donc à l'arrière, beaucoup plus haut. Et on a un buton qui sépare les deux sections. Et si mon souvenir est bon, un fanion blanc au 4e, ça voulait dire la position de trou le plus difficile sur ce trou-là. Exact. On a environ 5 verges de jeu là, pour pouvoir garder notre balle sur la section où est-ce que le trou est positionné aujourd'hui. Alors écoute, comme j'ai vraiment hâte de jouer ce trou numéro 4-là, puis que je m'en souviens relativement bien, je vais m'accorder les honneurs aujourd'hui, ça te va? D'accord, je te les offre. Excellent. Vas-y. Alors, je vais suivre tes conseils, Billy. Je vais aller un petit peu du côté gauche du jalon. Question de me donner le meilleur angle possible pour attaquer ce trou-là. L'angle d'attaque est vraiment plus intéressant. Puis ce qu'on n'a pas spécifié pour nos téléspectateurs, c'est qu'à gauche, c'est hors limite. Également. Alors, faut y penser. Alors, ma cible ici, là, moi, c'est le V dans les arbres au loin, à droite de la fosse de sable. Là. Ma cible aérienne, ce serait ça. Il fut un temps, par contre, où on voyait le clocher d'église. Évidemment, la nature étant ce qu'elle est, les arbres ont maturé, on voit plus ça. Alors, ma cible, c'est vraiment le V à travers les arbres. On va prendre là. Bien joué. Mais hein. OK. À ton tour. Donc, un peu comme toi, Dan, je vais prendre mon alignement un peu plus sur la droite.
puis je vais essayer de te dépasser, mais ce sera pas facile. Écoute, avec la trajectoire de balle que tu frappes habituellement, toi, t'es quoi? T'es un droite-gauche? Ouais, je peux dire que je suis que je favorise un peu un petit drap. Oh que oui! Solide. Si. Et tu t'en as mis un peu plus, toi, dans la trajectoire droite-gauche. Ben là, j'avais de quoi à suivre, hein? J'en mets un peu plus. Je peux pas me faire overdriver par Daniel, quand même. Ben, est-ce qu'on peut se dire beaucoup de départs au pluriel, là, Billy? Oui, c'est exact. Ben, en fait, je pense que je t'ai eu par une verge. Bon, ben écoute, anytime, tu sais que... Tu penses entre 305 et 306, là... Moi, frapper une verge derrière Billy Hull, connaissant ta réputation de long cogneur au Québec, je prends ça n'importe quand. Billy, je veux qu'on parle quand même du travail qui nous reste à accomplir ici pour compléter cette belle normale 4. Parce que oui, on avait un vent favorable aujourd'hui. On a moins de distance. D'ailleurs, on a combien à peu près? On a quoi, 100? 145, 150 environ. Approximativement. Ouais. Alors, le défi ici repose sur quoi essentiellement? Bien, ici, ça va être vraiment de rester sur la butte où est-ce que le fanion est placé. Donc, si on est à peu près, je dirais, 10 verges à court, la balle elle va revenir vers la droite. Ouais. On va se retrouver avec un pot de 40 ou 50 pieds. Et si on est un peu long à gauche, bien, la même chose va se passer. On se ramasse encore à 40, 50 pieds. Moi, je vais prendre un fer neuf, je pense. C'est un bon choix. Fer neuf, as-tu dit 140? Oui, environ 145, 145, je dirais. Parfait. Tu le vent devrait peut-être l'emporter, quoi, 2-3 verges? Oui. On rentrer ça par la droite, puis... Parfait. Ah oui. Ah, wow. Ah, reste là. Ça devrait pas être loin, ça. Reste là, balle. Ah, excellent, Daniel. Ici, on prend ça n'importe quand. Ouais. À ton tour. C'est beau. Bien joué. Ah, c'est quoi? T'es à une verge près. Est-ce que tu y vas avec un wedge ou un fer neuf, Billy? Moi, je vais prendre un neuf aussi, là. Je vais probablement le jouer stock à 140-142. C'est pas mal ma distance de fer neuf, là, que... Solide. Solide, solide. Je suis un peu à court? Juste un petit peu à court, hein? J'ai l'impression que je suis autant au-delà du fanion que tu es à court du fanion. Ouais, ça va ressembler à ça. On va avoir des coups similaires. On va aller voir ça. Ah, c'est un super beau trou, ça. Je suis content qu'on joue ça aujourd'hui. Tu sais, Billy, que j'ai été présent dans le temps que le record du parcours était 63 avant qu'on modifie le terrain. C'est Jean-Louis Lamar qui avait inscrit ça en compétition. Oui, oui. Mais toi, ton meilleur score, c'est quoi ici? J'ai joué 64 l'an passé. Donc, c'est apparemment le nouveau record officiel. Écoute, le terrain a été modifié depuis, alors je te confirme que c'est toi que le 64 a parcours record. Ouais, ça va me prendre quand même un 62 là, pour dire à Jean-Louis qu'il peut se le mettre dans sa pipe. Restez là. Golf Mag revient après cette pause. Billy, c'est exactement ce que je pensais. C'est des distances similaires à l'opposé. Oui, c'est ce qu'on se disait. Tu te retrouves à peu près avec une douzaine de pieds. Moi, j'en ai peut-être une quinzaine. Donc, je vais avoir l'honneur de te donner un peu de pression après avoir fait mon pote. Ah, j'adore ça. Mais tu sais que c'est ici que le plaisir commence, hein, sur le verre du quatrième, parce que c'est assez accidenté, là. En effet. On a été chanceux, là. On est vraiment... On a trouvé le moyen comme de rester prêt. Si ta balle aurait été un peu sur la gauche, elle a déboulé en bas. Ouais. Puis moi, si j'aurais été un petit peu plus à droite, je me serais ramassé à 30-40 pieds. Effectivement. Billy, à quoi ressemble ton roulé? C'est en montant, descendant, à quoi ça ressemble? Ben moi, il montait puis il allait un petit peu à droite. Billy, la technique que tu utilises, là, ça sert à quoi? Bien, ça, c'est la technique aim point. Il y a plusieurs joueurs sur les circuits professionnels qui font ça, dont Adam Scott. Ça nous permet d'évaluer la pente avec nos pieds.
Donc, si on sent que notre pied est considérablement plus bas que l'autre, bien, on peut savoir si c'est une pente de 1 %, 2 %, 3 %, jusqu'à 6 ou 7 % même. Donc, moi, ici, j'évalue que j'ai une pente de gauche à droite de 2 %. Donc, moi, avec mes calculs et la vitesse du verre qui est environ à 9,5 aujourd'hui, moi, avec mes calculs à moi, là, avec ma routine, bien, je peux viser deux doigts à gauche comme de la coppe. Puis ça devrait me donner sensiblement la courbe là, que j'ai besoin de prendre. Alors, mets ça dedans. Oui, je vois ça. Je compte bien le faire. Beau pote. Allez, 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 allez! Oh! La porte est ouverte. La porte est ouverte, mais ouais. Écoute, ça, c'est flirter avec le bonheur, ça, Billy. OK, tu peux ramasser, c'est concédé un beau père. Bon, à mon tour. Et moi, Billy, j'ai un roulé vraiment différent du tien. Ça me semble relativement plat, légèrement en descente à tout le moins, puis si ça a bougé, ça va être, d'après moi, un petit peu du côté droit. C'est un petit roulé de finesse, de délicatesse. Ne compte pas sur moi pour un conseil ici, en tout cas. Écoute, t'as passé tellement proche. Tu me laissais une petite porte ouverte. Oui, je te laisse la porte. Ah oui. Petite courbe à droite. Ben, tu sais quoi? Je te le concède aussi, Daniel. Merci, c'est gentil. Tu sais qu'une normale, au tour numéro 4, au portage, c'est tout le temps winner. Très respectable. Merci pour cette belle expérience. Puis on va te souhaiter une bonne saison, évidemment, dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci, Daniel. C'est très apprécié d'avoir le passage de Golf Mag ici. Au portage, on est fiers de vous recevoir. Super, merci. À la chronique équipement cette semaine, laissez-moi vous présenter la grande famille des boîtes de départ chez Nike, la famille Vapor. Il y a une déclinaison de 3 bâtons qui s'adresse à tous les calibres de golfeurs. Il y a d'abord le Vaporfly, c'est un très beau bâton, belle conception. Il y a très peu de distinction à l'œil avec le Vaporfly Pro, si ce n'est que la tête est un petit peu plus grosse. Et ce qu'on a fait chez Nike, c'est de répartir les masses, particulièrement dans le devant de la face. Question d'optimiser les coups un peu plus erratiques. On mise surtout chez Nike, et ça pour les 3 bâtons, sur l'aérodynamisme. C'est possiblement les meilleurs sur le marché. Ensuite, il y a le Vaporflex. Point de vue technologique, il n'y a pas plus avancé que le Vaporflex. Au niveau cosmétique, c'est vraiment différent. La portion noire est en résine. Ce n'est pas le même matériel utilisé que sur le reste du bâton. Vous allez remarquer l'espèce de cartouche ici, sous le bâton. Avec un petit instrument, il y a moyen de jouer avec le poids du bâton, d'amener le centre de gravité soit vers l'arrière ou soit vers l'avant, dépendamment de la façon que vous voulez obtenir la trajectoire et aussi influencer la rotation dans la balle. Et le bâton qui complète la collection de la série Vapor chez Nike, c'est le Vaporfly Pro. C'est le bâton utilisé notamment par Rory McIlroy. C'est un bâton qui va s'adresser aux golfeurs plus expérimentés, aux golfeurs qui vont rechercher des trajectoires de balles plus basses, plus perçantes, donc avec moins d'effets rétro. Moi, personnellement, c'est mon choix. C'est le bâton que j'utilise. En terminant, tous ces bâtons-là viennent avec des lofts de 8,5 à 12,5 degrés, donc il y a une bague avec des ajustements possibles. Cependant, le plus cher des 3, c'est le Vaporflex. Ça s'explique simplement par le nombre de technologies qu'on y retrouve, le nombre d'ajustements et bien sûr la technologie en résine. Mais le mieux, c'est d'essayer et de trouver ce qui nous convient. Une partie au club de golf, le portage, se termine généralement en beauté. Mais attention, il y a une belle normale 4 au 18e qui vous attend. Et pour ceux et celles qui ont déjà joué ici, vous le savez sans doute, ça passe ou ça casse. La raison est fort simple, le terrain a gagné en maturité, particulièrement ici. Il n'y a pas tellement d'options où échapper la balle d'un côté ou de l'autre. Et une fois que vous aurez frappé un bon coup de départ dans l'allée, bien, regardez-moi l'étroitesse maintenant
pour rentrer au vert avec l'arbre sur la droite. Je vous le dis, ça prend énormément de précision. Et une fois que vous aurez complété votre 18e trou avec un large sourire, bien là, ce sera le temps d'aller profiter de l'excellent menu du Loportage Steak & Grill et de profiter de sa jeune réputation qui n'est déjà plus à faire. Voilà qui complète notre Golf Mag au Club de Golf Loportage. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve très bientôt pour une autre émission. Vous a été présenté par la Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Club de golf Le Portage. Il est toujours intéressant de consulter des données de Golf Canada pour connaître la popularité du golf au pays. Saviez-vous qu'il y a plus de 2300 parcours d'un océan à l'autre et que l'industrie de ce beau sport génère de l'emploi de façon directe et indirecte à plus de 126 000 personnes? Bon golf!